Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme son nom l'indique, c'est une page de scrapbooking. Ça faisait longtemps, ça faisait une semaine, voilà. Voilà, quoi dire sur cette page? Cette page est assez simple. Voilà, allez, je vous lance ce papa tout de suite et je reviens tout de suite après. Donc, pour cette page, je vais prendre du papier ici. Alors, j'avais, on va dire, pré-regardé ces papiers, ces deux-là, là. Et en fait, je vais prendre celui-ci et celui-ci. Tiens, je vais faire un truc en diagonale. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de truc en diagonale. Genre j'arrive pas à aller jusqu'au bout. C'est l'inconvénient de vouloir faire du diagonale. Au pire, je vais pas faire, je vais faire ça, je vais faire au max. Ouais, mais c'est nul. Ah, pourquoi tu réfléchis, Romain? Fais la sauvage. Tellement mieux quand c'est fait à la sauvage. Hop, je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Je cherche de la colle. Voilà, colle. Je vais coller ce papier là dessus. Non, ça me plaît pas. Non, je vais faire que je vais faire ça. Hop. J'aurais dû faire l'inverse, j'aurais dû mettre les points verts par dessus. Je vais quand même faire un peu de travail de fond. Comme vous le savez, je n'aime pas laisser une page comme ça sans rien lui faire. Je vais lui faire de l'aquarelle, donc aurore, donc aurore, jaune et vert. Donc c'est aurore là, le jaune et menthe le vert. Je vais commencer par le jaune. Je vais faire ça, 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 ça. Hop, je vais mettre de l'eau. Voilà, je vais faire maintenant le vert. Alors, je pourrais récupérer le jaune pour du papier. Pour des ATC. Hop. Tout se récupère. Voilà. Maintenant, je vais faire donc le vert. Thank you.
Voilà, bon, je vais laisser comme ça. Bon, je vais quand même lui rajouter, en fait, je vais essayer de faire des taches un peu plus, on va dire, vives avec le jaune et le vert. Genre. Je vais prendre le tampon nid d'abeille et je vais refaire avec le vert, oui le vert, je suis en train de me dire. Je vais peut-être l'enlever, ce sera peut-être mieux. Alors ma photo elle sera comment? Je ne sais pas encore. Je pense que je vais la mettre là. Bon, je vais pas en faire trop. Je suis pas sûr que ça se voit très. Pas grave. Je vais faire autre chose de toute façon par-dessus. Je vais faire du pochoir et un nouveau pochoir. Et du modeling paste maison. Hop. Alors pour le moment je l'ai fait blanc parce que je vais le colorer après. Hop. Alors là on va partir du centre pour aller jusqu'au fond. J'ai du caca dedans, je le sens. Le modeling paste est quasiment sec, j'ai mis du scotch autour. Je vais prendre une bombe de peinture, hop, et je vais tout gâcher. J'ai trouvé un œuf, et pas un œuf de poule. Donc si t'es encore là au moment de cette vidéo, j'espère que tu as rigolé de cette blague ultra nulle. Je vais faire quelques petites taches en plus, donc du vert, hop. Et je vais faire quelques petites taches noires aussi.
En plus, je viens de m'apercevoir que c'est même pas du noir, c'est du gris. Mais bon, c'est pas grave, ça passera. Ça passe quand même. Je vais coller ma photo qui est juste ici. Alors, je vais pas faire de matage, je vais pas faire autre chose de. Je vais vraiment garder le fond. Parce que souvent je fais du travail de fond, mais je rajoute des trucs par-dessus. Voilà, mais là je vais vraiment garder le fond tel quel. Je vais juste rajouter un petit mot. Et par contre, je ne sais pas du tout si je marque ensemble, selfie, unique, nous, bonheur. Bonheur ? Ou ensemble ? Je vais marquer ensemble et bonheur, au pire. Comment je pourrais. Là-haut, il y a quoi qui pourrait marquer bonheur. Je vais marquer bonheur là-haut. Tac, l'encre. Le ensemble, il devrait rentrer. Voilà. Voilà, de plus près. Alors, je pourrais vraiment rajouter des trucs, hein, mais je voulais vraiment que cette page soit assez simple. Donc, on voit bien le pochoir, le tampon, voilà. Donc voici ma page comme vous avez pu la voir. Comme je l'ai dit, hein, je voulais vraiment faire un truc plutôt simple. Donc mettre juste un gros pochoir, quelques travails de fond. Je voulais pas faire plus. Je crois qu'elle est encore humide la feuille, tellement il y a de l'eau dessus. Voilà, un nouveau pochoir qui sera en ligne techniquement dans la semaine. J'espère que cette page vous aura plu. N'hésitez pas. Ça colle pas. Ça n'a pas collé. C'est quoi ce travail? Voilà, j'espère que cette page vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.